Je vous le dis parce que c'est la pure vérité. Toute la semaine, ma sœur Martha et moi avons fait l'éloge de votre sermon de dimanche dernier. Notre cher révérend Harper est étonnant, disons-nous. En moins de 2 ans, il a exactement saisi l'esprit de Brooklyn. Vous êtes trop indulgente, chère mademoiselle Brewster. Non, non, je vous assure. Toute notre vie s'était écoulée ici, à 2 pas de votre église. Nous avons eu le loisir de voir se succéder bien des pasteurs. L'esprit de Brooklyn est très spécial. Dans ce quartier infesté de mauvais garçons, il faut ce ton indulgent et doux. Et vos sermons sont moins des prêches que des causeries amicales et familières. Personnellement, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à mes conversations avec sa sainteté le pape. Au fait, pourquoi ne m'a-t-il pas invité au concile? Tu sais bien qu'il n'y avait plus de place dans l'avion, mon chéri. Comment trouvez-vous mes gâteaux? De premier ordre. Servez-vous, ne vous gênez pas. Merci, vraiment pas, je n'aurai plus faim pour le dîner. La gourmandise me fait manger tant de gâteaux chez vous, à cause de cette succulente confiture. Mais vous n'avez pas goûté ma gelée de pointe? Nous y mêlons toujours un peu de pomme pour l'adoucir. Sincèrement. Nous vous en ferons porter à 1 ou 2 pots. Gardez-la au contraire, si je serais sûr en même temps de goûter vos gâteaux quand je viendrai vous rendre visite. J'espère qu'on ne va pas nous rationner. Vous me direz qu'avec toutes ces menaces de guerre, je ne suis peut-être pas charitable, mais je finis par me demander si on ne pourrait pas supprimer tous les hommes politiques. C'est l'Europe qui m'intéresse. L'Europe, monsieur? Mais oui, Teddy. Pointez donc vos canons en sens inverse. Vos canons? Allons. Mais vers l'ouest. Voilà le vrai danger. Le péril jaune. Allons. Je vous aurais assez prévenu. Allons, Teddy. Enfin, tante Dorothée, parlons un peu moins de l'Europe, je te prie. Et ne perdons pas Cuba de l'œil. Ne parlons plus de la guerre, ce sera mieux. J'ai eu tort de commencer. Une autre tasse de thé, mon chéri. Non, merci, tante Dorothée. Et vous? Merci. Ah, je dois dire, mademoiselle Brewster, qu'ici, dans votre maison, on se sent loin de la folie du monde. N'est-ce pas? C'est si calme. Sous votre toit se trouverez-vous toutes les exquises qualités de notre époque. Elles allaient de pair avec les bonnes manières, les impôts minimes et la lumière des bougies. Oh mon Dieu, j'ai oublié de les allumer. C'est une tradition à l'heure du thé et les bougies. Cette maison est une des plus anciennes demeures de Brooklyn. Depuis que le vieux grand-père Brewster l'a construite et meublée, rien n'a été changé. Nous y avons seulement ajouté le téléphone et l'électricité. Encore, nous en servons-nous le moins possible. C'est Mortimer qui a insisté pour que nous les fassions installer. Je m'en serais douté. Votre neveu Mortimer ne semble vivre qu'à la lumière électrique, au néon de préférence. Le pauvre, il doit travailler si tard. À propos, j'ai appris qu'il emmenait encore Hélène au théâtre ce soir. Teddy, ton frère Mortimer ne sera pas rentré de bonne heure. Enchanté! Nous sommes si heureuses que ce soit votre Hélène qui ait choisi Mortimer pour l'accompagner. C'est en tout cas très nouveau pour moi, attendre jusqu'à 3 heures du matin. Qu'on me rende ma fille. Oh, vous en voulez à Mortimer? C'est-à-dire? Nous nous sentirions tellement coupables, ma sœur Martha et moi. Car enfin, c'est ici qu'ils se sont rencontrés. Je ne l'oublie pas aussi, je vous dis bien vite que je considère Mortimer comme un excellent garçon. Mais je suis obligé d'ajouter que j'ai suivi l'intimité croissante qui le rapproche de ma fille avec une certaine inquiétude. Je trouve très regrettable que votre neveu soit si mêlé aux choses du théâtre. Le théâtre, lui? Mais pas du tout. Il ne fait qu'écrire des articles dans un journal de New York. Je sais, mais les critiques dramatiques sont forcément en contact avec le théâtre. Et je ne serais pas étonné que certains d'entre eux finissent par y prendre quelque intérêt. Eh bien, pas lui, pas Mortimer. Vous n'avez rien à craindre. Mortimer a horreur du théâtre. C'est justement grâce à cela qu'on le dit un excellent critique. Vraiment? Une horreur absolue. Il écrit sur les pièces, surtout celles qu'il ne voit pas, des articles effroyables. Et je comprends. Il était si content de tenir la rubrique des biens immobiliers. C'était sa partie. Mais non, il a fallu qu'on lui impose cet épouvantable travail de nuit. J'ignorais ce drame professionnel. Seulement, il est persuadé que c'est là une simple situation d'attente, comme il dit. Le théâtre ne peut plus durer longtemps à présent. Accordons-lui 1 année ou 2, peut-être. Tiens, qui peut venir à cette heure? Merci, cher Teddy. J'y vais. Oh, monsieur Brophy, entrez donc. Bonsoir, madame Brewster. Et monsieur Klein, comment allez-vous? Ça va, mademoiselle Brewster. Quelle nouvelle pour moi? Rien à signaler, colonel. Vous pouvez disposer. Parfait, rompez. Vous connaissez le révérend Harper, je suppose. Comment donc? Bonsoir. 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 Nous sommes venus chercher les jouets pour l'arbre de Noël. Quelle bonne idée. Justement, je m'en inquiétais. Je vous félicite, messieurs. Vous faites une belle œuvre. Grâce à vous, les vieux jouets sont remis à neuf. Et les petits pauvres ont à Noël, moi aussi. Bah, ça nous occupe pendant les heures d'attente au poste. Quand on joue aux cartes, on finit par se lasser. Alors on se met à nettoyer son revolver et POM! On tire une balle dans le pied.
Mon Dieu. Teddy, mon chéri, va chercher la grande boîte de jouets dans la chambre de Tante Martha. Et comment va Madame Brophy aujourd'hui? Elle a été très malade. Hypnémonie. Vous m'envoyez désolé. Chargez! Heureusement, elle est sur la bonne pente. Mais elle est très faible, c'est normal. Je vais lui chercher du bouillon, vous le lui apporterez. Ne vous donnez pas cette peine, mademoiselle Dorothée. Vous avez déjà tant fait pour elle. Nous l'avons préparé ce matin pour ce pauvre monsieur Bienitsky. J'en ai pour une minute. Asseyez-vous et mangez un gâteau. Surtout, servez-vous. Vous êtes ici chez vous. Il faut toujours qu'elles se mettent en quatre. Ça, il n'y aura jamais moyen de les empêcher de faire le bien, ça, sœur Yael. Et qu'est-ce qu'elles en tirent? Elles vous demandent même pas pour qui vous votez. Quand je suis arrivé à Brooklyn et que nous avons emménagé tout près d'ici, ma pauvre femme était déjà bien malade. Jusqu'à sa mort et depuis, j'ai appris ce que pouvait être la vraie bonté, la générosité, l'abnégation, parce que j'avais les sœurs Boutteurs pour voisines. Vous m'aviez promis de ne plus vous époumoner dans cette trompette. Et qui autorisera le déblocage de vos jouets? Hein? Il a pris l'habitude de sonner le clairon au milieu de la nuit. Les voisins sont venus se plaindre. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui le craignent dans le quartier. Il est pourtant bien inoffensif. D'accord avec vous. Et quand il se prend pour le président des États-Unis ou un colonel d'active, c'est encore très rassurant. Il pourrait se croire quelqu'un de beaucoup moins recommandable. C'est tout de même malheureux d'une famille si honorable d'avoir arrêté d'un pareil cinglé. Et dire que son père était une sorte de génie, à ce qu'il paraît. Le frère de nos chères demoiselles? Oui, leur père à elle était un phénomène, m'a-t-on dit. Rusé comme un renard. Il avait ramassé $1 million. Un million? Au moins. Ici, à Brooklyn? Oui, comme médecin. Médecin officiel. Une sorte de charlatan. Edouard, l'adjudant de retraite, se souvient bien du père Brewster. La maison lui servait de clinique et il essayait ses expériences sur ses patients. Il paraît que de temps en temps, il commettait quelques petites erreurs. Bon, la police ne l'a jamais inquiété. Elle avait trop besoin de lui pour ses autopsies. En tout cas, il a laissé de l'argent à ses filles. C'est ça qui compte. Dieu en soit loué. Et elle ne dépense rien pour elle, tout pour les autres. Que d'indigents profitent de leur charité. Beaucoup plus nombreux encore que vous ne croyez. Figurez-vous qu'un jour, on cherchait un vieux bonhomme. On ne l'a jamais trouvé d'ailleurs. Eh bien, en faisant les recherches, on s'est aperçu que cette maison figurait sur une liste de chambres meublées. Vous pensez bien qu'elle ne loue pas de chambres, non? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Si quelqu'un se présente, elle l'accueille, elle le loge, le bonhomme s'en va, lesté d'un bon repas, et trouve en sortant quelques billets glissés par surprise dans sa poche. C'est bien dans leur manière, attirer les gens pour leur faire l'aumône. Mais quelle bonne surprise! Bonsoir, Mademoiselle Brewster. Bonsoir à vous, cher révérend. Vous aussi, Monsieur Brophy et Monsieur Klein. Mademoiselle, restez, Mademoiselle Martha. Nous sommes venus pour les jouets de Noël. Vous avez eu raison. Les soldats et les bateaux de Teddy sont en train de s'user à ne rien faire. Ils sont empaquetés. Le colonel est monté les chercher. Mais il paraît que le cabinet doit donner son autorisation. Évidemment, j'aurais dû y penser tout de suite. J'espère que Madame Brophy va mieux. Elle est hors d'affaire. Mademoiselle, votre sœur a la gentillesse de me préparer du bouillon pour elle. Mais c'est tout naturel, voyons. J'en ai porté cet après-midi à un pauvre homme qui s'est cassé en 1000 morceaux. Oh, Martha, tu es de retour? Comment va, Monsieur Bienitsky? J'ai bien peur que ce ne soit très grave. Vraiment? On craint l'amputation. Pourrons-nous assister à l'opération? Hélas, non. C'est contraire au règlement de l'hôpital. Et vous ne seriez d'aucune utilité. Vous vous fatigueriez pour rien. Voici votre bouillon, Monsieur Brophy. Surtout qu'elle le boive bien chaud. Merci. Superbe! Voilà qui va faire des heureux. Le petit O'Malley adore les soldats. Ça, c'est le général MacArthur. Il a fallu que je me passe de ses services. Ça, c'est l'Oregon. Allons, Teddy, remets-le en place. Impossible, il part pour l'Australie. Non, Teddy, il doit rester au port. Enfin, Tante Dorothée, j'ai promis qu'il irait naviguer là-bas. Voyons, Teddy. Nous l'y enverrons, je vous le promets. Mesdemoiselles, tous nos remerciements. C'est bien naturel. Au revoir. Au revoir. Moi aussi, je dois y aller.
Avant que vous ne partiez, je voudrais... Chargez contre le blocos. Le blocos? Oui, l'escalier est son champ de bataille. Vous n'avez jamais songé à le persuader qu'il n'était pas le président des États-Unis? À quoi bon? Il est tellement heureux ainsi. Une fois, il y a pas mal d'années déjà, tu t'en souviens, Martha? Nous pensions qu'il pourrait être Charlie Chaplin, que cela le changerait. Nous le lui avons suggéré. Alors il est resté plusieurs jours sous son lit et il ne voulait plus être qui que ce soit. Nous aimons tellement mieux qu'il soit le président des États-Unis que quiconque. Vous avez raison, si il est tranquille comme ça, et vous aussi. Ah, j'allais oublier les papiers. Quel papier? Ceux qu'on a remis au révérend Harper pour que ce chef Teddy soit hospitalisé dans une maison de santé quand nous ne serons plus de ce monde. Vous les lui ferez signer. Mais est-il nécessaire que ce soit si vite? Ah oui, mieux vaut que tout soit réglé. Si le Seigneur devait brusquement vous appeler à lui, alors peut-être ne pourrions-nous plus obtenir le consentement de Teddy. Ce serait des complications à n'en plus finir. Monsieur Witherspoon sait que tout sera soigneusement mis de côté jusqu'au moment opportun. Monsieur Witherspoon, mais qui est-ce? Le directeur de la maison de santé. Notre ami l'a prié de passer ici demain ou après-demain. Il fera la connaissance de Teddy. Cette fois, je vous quitte pour de bon. Hélène pourrait s'inquiéter. Embrassez-la pour nous. Et je vous en prie, ne soyez pas trop sévère à l'égard de Mortimer. Il faut bien dans un journal que quelqu'un se sacrifie pour assurer la critique dramatique. Souhaitons-lui pour l'avenir des sacrifices moins compromettants. Bonsoir et à très bientôt. Bonsoir, révérend. Vous venez seulement de prendre le thé, il est pourtant très tard. Hein? Eh oui, il est tard. Et nous dînerons très tard aussi. Et pourquoi? Teddy, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas à Panama ce soir. Tu y creuseras une autre écluse pour le canal. Bravo, magnifique, sensationnel. Je prépare immédiatement mon voyage. Chargez! Dorothée, est-ce vrai pendant que j'étais sortie? Mais oui, ma chérie, il faut m'excuser. Je ne pouvais absolument pas t'attendre. Notre pasteur, elle est arrivée. Mais alors, tu l'as fait toute seule? Mais oui, je m'en suis très bien tirée. Oh, vite! Je vais voir ça tout de suite. Non, Martha, je n'ai pas eu le temps. D'ailleurs, sans toi, ça n'était pas possible. Alors, il est là? Martha, jette donc un coup d'œil dans le corps. Oh, quelle bonne idée! Hélène, entrez donc, ma chérie. Bonsoir. Père n'est pas ici. Il vient de partir, vous ne l'avez pas rencontré? J'ai pris le raccourci par le cimetière. Et Mortimer n'est pas encore arrivé? Non, pas encore, ma chérie. Il m'avait pourtant dit de le rejoindre ici. Il doit venir vous dire bonsoir. Me permettez-vous de l'attendre? Mais quelle question! Asseyez-vous, ma mignonne. Merci. Nous gronderons Mortimer, vous faire cela. Me faire quoi? Mais quand un jeune homme invite une jeune fille à sortir, c'est lui qui doit se déranger et la prendre chez elle. Mortimer a bien mal profité de nos leçons de politesse. Mettez-vous à sa place. Entrez chez un pasteur. Même pour y chercher sa fille, c'est plutôt délicat. Non, il n'a pas d'excuse. Il emploie trop souvent ce procédé. Nous devons le lui signaler. Je vous en prie, n'en faites rien. Si vous saviez comme c'est merveilleux pour moi d'aller au théâtre presque tous les soirs. Songez qu'avant, je ne fréquentais que des garçons dont le seul plaisir était de m'emmener à des concerts de musique religieuse. Mais nous sommes très contentes aussi que Mortimer sorte en votre compagnie. Il est obligé de fréquenter les théâtres, certes, mais au moins, il est assis à côté de la fille du pasteur. Que devez-vous penser de nous, Hélène? Le thé qui est encore servi à cette heure-ci. Oh, non, c'est moi qui m'excuse de vous déranger. Mortimer ne devrait plus tarder. Je me demande si Père ne va pas s'inquiéter. Il devait me trouver à la maison. J'ai envie de faire un saut jusqu'à chez nous. Dommage que vous l'ayez manqué, ma chérie. Si Mortimer arrive, dites-lui que je reviens tout de suite. Ah, le voici. Hello, vous. Hello, tante Martha. Dorothée, Mortimer est de retour. Vous alliez sortir? J'allais simplement prévenir Père de ne pas m'attendre ce soir. Tiens, je croyais que tous les parents s'étaient mis dans le vent, y compris les pasteurs. Bonsoir, Mortimer. Tu vas bien, tante Dorothée? Et toi, mon petit? Ça va. Toi aussi, hein? Tu n'as guère changé depuis hier. Tu as gardé ta bonne mine, hein? Dorothée, il semble que nous ayons affaire à la cuisine. Nous? Oui, tu sais, la chose pour le thé. Le thé? Le thé. Ah oui, oui, où avais-je la tête? Faites comme chez vous. Installez-vous. Oui, c'est ça. Installez-vous.
ne comprenez pas ce que j'attends. Non, trop direct pour moi, manque d'imagination. Je l'aurais parié. Que? Que vous diriez cela? Où dînons-nous? Où vous voudrez, je n'ai pas faim. Moi non plus, je viens de manger un morceau. Si nous soupions après le spectacle. Cela nous ferait rentrer bien tard. Non, nous partirons avant la fin de la pièce. À 10h, nous serons à table. Vous méprisez vraiment les opérettes. Nous n'allons pas voir une opérette. Je croyais que cette générale avait lieu ce soir. Elle devait avoir lieu ce soir, en effet, mais avec les opérettes, c'est ainsi. 4 changements de titre et 3 remises de date avant la création. Non, nous allons voir un sombre drame. Tant pis. Vous vous sentez d'humeur légère? Disons que, pour moi, les opérettes ont l'avantage de vous rendre... charmant. Vous allez chercher mon vestiaire. Vous me raccompagnez en taxi. Alors qu'après une pièce sérieuse, nous rejoignons la foule dans le métro. Et là, j'ai le droit à une conférence sur chacun des personnages. Chérie, chérie, vous... vous transposez beaucoup. Mettons que ce soit après une pièce d'Arthur Miller que vous m'avez dit que j'étais une vraie beauté. Et c'était un charmant compliment. Mais c'est tout de même après la première opérette que vous avez parlé de mes jambes. M'avouant que vous les trouviez jolies. D'ailleurs, elles le sont. Pour la fille d'un pasteur, vous êtes plutôt délirée. Et dites-moi, où avez-vous acquis cette expérience? Dans la tribune de la chorale, évidemment. Je vous expliquerai un jour les liens étroits qui unissent les choses de l'amour et celles de la religion. Ah non, non, non. La religion ne monte jamais jusqu'à la tribune de la chorale. Bon, cette fois, je vais prévenir père de ne pas m'attendre. Savez-vous, je n'ai jamais pu m'expliquer. Quoi donc? Comment je suis tombé amoureux d'une fille de Brooklyn. Non, la seule façon pour moi de regagner ma propre estime, c'est de vous emmener chez moi, à New York même. Chez vous? Soyez tranquille, je sais que vous en tenez pour les formes. Je peux me permettre de rester une jeune fille sage encore quelques années. Et moi, je trouve que ce serait beaucoup trop long. Où quelqu'un pourrait-il nous marier en vitesse? Quand? Mais ces jours-ci. Mon père pourrait insister pour être l'officiant. Ah, ce sera gai. Avec votre père, même une cérémonie de mariage doit être insipide, monotone et sans coup de théâtre. Dites-moi, vous avez un article à écrire sur ce spectacle? Oh, excusez-moi. Des formations professionnelles. Allez. Si j'écrivais une critique indulgente sur la pièce de ce soir. Toujours votre théâtre, et vous voudriez faire croire que vous m'aimez. N'oubliez surtout pas de dire à votre père que quoi qu'il arrive, il ne s'inquiète surtout pas. Oui, oui, bah, je crois au contraire que je devrais lui dire de m'attendre. Je vais téléphoner à Winchell pour le prier de publier les bancs. Ah, si, si, restons dans la légalité. C'est d'accord, chérie. J'en parlerai à père et nous fixerons la date. Ah, pas un soir de général, hein, s'il vous plaît. Méfiez-vous, on crée beaucoup de pièces au mois d'octobre. Hello, Mortimer. Comment allez-vous, monsieur le président? En pleine forme, merci. Quelle nouvelle? Simplement ceci, monsieur le président. Tout le pays est derrière vous. Oui, je sais. N'est-ce pas formidable? Eh bien, au revoir. Au revoir. Mais où allez-vous, Teddy? À Panama, mon enfant, à Panama. Panama, c'est la cave. Teddy creuse des écluses pour le canal. Comme vous êtes gentil avec lui. Et comme il vous aime. Oui, Teddy a toujours été mon frère préféré. Préféré? Vous avez d'autres frères? Mais j'en ai un autre, oui. Jonathan. Johnny! Mais c'est la première fois que j'entends parler de lui. Votants ne font jamais aucune allusion. C'est un sujet qui nous est pénible. Jonathan a quitté Brooklyn très jeune, sur un coup de tête. Vous voyez? Il était de ce genre de garçon qui aime à découper les vers de terre entre leurs dents. Et qu'est-il devenu? Je ne sais pas.
Il voulait devenir chirurgien, comme grand-père. Mais il a refusé d'aller à la faculté de médecine. Oh, la clientèle lui a mis du feu. Seulement, il a eu des diagnostics quelque peu surprenants. Alors, les balades ont fini par se méfier. Pas encore parti? Vous allez vous mettre en retard? Non, nous sortons le dîner. Il nous reste une petite demi-heure. Je vous laisse de nouveau seul, bien tranquille. Non, non, ne vous donnez pas cette peine. Cette fois, je vais prévenir père. Souhaitez-moi que le sermon ne soit pas trop long. Et dès qu'il aura terminé, je serai ici. Je couperai par cimetière. Et écoutez-le tout de même jusqu'au bout, comme une petite fille bien sage. Tu deviens charmant, Mortimer. Elle finira par te rendre pieux tant elle a sur toi une bonne influence. Car à ce propos, je vais l'épouser. Quoi? Oh mon chéri, Martha! Martha! Viens vite, ouvre grande des oreilles, c'est merveilleux. Mortimer, Mortimer et Hélène vont se marier. Se marier? Oh Mortimer! Nous avions toujours espéré ce mariage. Oh, comme Hélène va être heureuse. Ah, oh, mais si elle est heureuse, mais regardez-la, voltiger parmi les tombes. Quand Hélène va venir, il faut que nous lui fassions une petite fête. Nous allons boire à notre bonheur. Et reste-t-il un peu de ce bon cake? Oui. Où diable a-t-on pu ranger mon manuscrit? J'ouvrirai une bouteille de vin. Et moi qui oubliais. Avec une fiancée à tes côtés, j'espère que la pièce de ce soir te plaira pour une fois. Le sujet doit être romantique. Quel est le titre? Hein? Oh! Le meurtre sera découvert. Le meurtre sera découvert? Oh, tu me donnes la chair de poule. C'est-à-dire que je ne connais que le début. Lorsque le rideau s'ouvre, la première chose que l'on voit, c'est un cadavre. Tante Dorothée. Mon petit. Vous vous aviez projeté, n'est-ce pas, que Teddy aille dans cette maison de santé? Oui, tout est réglé. Il ne manque plus que la signature de Teddy sur ces quelques papiers. C'est urgent, Tante Dorothée. Le pasteur nous le disait aussi. De cette façon, il n'y aura aucune difficulté lorsque nous viendrons à disparaître. Il doit les signer tout de suite, sans une seconde de retard. Alors, il est à la cave, appelez-le. Mais n'exagère pas l'urgence. Surtout qu'on ne peut absolument pas déranger Teddy quand il travaille à son canal. Cela le contrarie dangereusement. Teddy doit entrer dans cette maison de repos cette nuit même. Mais qu'est-ce qui te prend, Mortimer? Mais tu sais très bien que nous ne séparons pas Teddy aussi longtemps que nous vivrons. Mes petites tantes chéries, je suis bouleversée. Asseyez-vous, j'ai quelque chose de terrible à vous apprendre. Voilà. Mais nous devons faire tout notre possible pour conserver notre sang-froid, hein. Voilà, vous n'ignorez sans doute pas que nous avons en quelque sorte, eh bien, flatté les manies de Teddy parce que nous le pensions inoffensif. Il est inoffensif. Il était inoffensif, tante Martha. Maintenant, il faut l'enfermer. Mortimer, pourquoi cherches-tu subitement à accabler ton propre frère? Tante Dorothée, et toi, tante Martha? Oh, puis de toute façon, vous devez l'apprendre un jour ou l'autre, alors autant que ce soit tout de suite. Voilà, Teddy a tué un homme. Oh, William. Dans le coffre. Bien sûr, mon petit, nous le savions. Vous le saviez? Mais oui, mais Teddy n'a rien à voir là-dedans. Rien du tout. Et maintenant, Mortimer, tu vas sagement oublier ce monsieur. L'oublier? Nous n'avions malheureusement pas prévu que tu aies fouillé dans nos affaires. Mais qui est-ce? Qui? Oh, ce monsieur. Ce monsieur s'appelle Hoskins. Adam Hoskins. Je ne sais rien d'autre sur lui, sauf qu'il était méthodiste. C'est tout? Enfin, mais que fait-il ici? Que m'est-il arrivé? Ah, il est mort.
Martha. Les gens ne viennent pas s'installer dans un coffre afin d'y mourir, voyons. Bien sûr que non, Mortimer. Il est mort d'abord. Mais comment? Oh, Mortimer, ne sois pas si sérieux. Ce monsieur est mort parce qu'il avait bu du vin. Et dans ce vin, il y avait du poison. Et pourquoi ce vin contenait-il du poison? Mais parce que nous l'avions mis, voyons. C'est dans le vin que ça se remarque le moins. Dans le thé, il y a toujours un drôle de goût. Vous avez, vous, mis du poison dans le vin? Mais pourquoi pas? Et j'ai traîné Monsieur Hoskins jusqu'au coffre, parce que le pasteur arrivait. Tu avais donc conscience de ce que tu faisais? Tu ne voulais pas que le révérend Harper voie le corps? Oh, pas pendant le goûter, Mortimer. Tu as tes idées. Cela aurait été désagréable. Voilà. Maintenant que tu es au courant de tout, tu vas vite oublier. Martha et moi, nous avons bien le droit d'avoir nos petits secrets. Et il ne va pas en parler à Hélène. Dorothée, j'ai rencontré Madame Schultz. Elle va mieux. Mais elle demande si nous pouvons emmener encore une fois son fils au cinéma. Rendons-lui une fois de plus ce petit service. Nous irons demain ou après-demain. Oui, mais cette fois, c'est nous qui choisirons le film. Je ne veux plus me laisser entraîner à voir une de ces histoires sinistres avec plein d'épouvantes. Oh, moi non plus. Je ne comprends pas qu'on fasse des films pour effrayer les gens. Allô, Sam? Sam, dites-moi, savez-vous qui est au bout du fil? Oui, c'est ça, c'est moi, oui, c'est ça, c'est moi, c'est bien moi. C'est... Et dites-moi, quand j'ai quitté le bureau, je vous ai dit où j'allais, n'est-ce pas? Oui, vous vous rappelez? Bien, où est-ce que j'allais? À Brooklyn, c'est ça, chez mes tantes. Oh, merci, Sam, merci, merci. Tante Dorothée, tante Martha! Qu'allons-nous faire? Je vous en supplie, dites-moi ce que nous allons faire! Mais ce que nous allons faire, à propos de quoi, mon enfant? Non, enfin, il y a un cadavre là-dedans! Monsieur Hoskins, oui, mon petit, alors? Oh, je ne peux tout de même pas vous livrer à la police, il faut bien trouver une solution! Mais je t'en prie, Mortimer, mais cesse de t'énerver! Martha a raison, pour l'amour de Dieu, ne te tracasse donc pas! Nous t'avons demandé de tout oublier! Et tante Dorothée, ne veux-tu pas te mettre dans la tête qu'il faut agir et il faut prendre une décision? Calme-toi, s'il te plaît. Tu n'es plus un enfant. Tu ne vas pas faire une scène, non? Mais monsieur Hoskins! Hoskins, c'est mon petit. Oui, oh, ça va. Je moque complètement de son nom, vous m'entendez? Hein? Qu'il s'appelle comme ça autrement, vous ne pouvez pas le laisser là-dedans. Ah, mais nous n'en avions pas du tout l'intention, rassure-toi. Oh. Pourquoi Teddy serait-il en train de creuser l'écluse dans la cave? Vous voulez dire que vous allez enterrer Monsieur Hoskins dans votre cave? Mais bien sûr, mon petit. Mais c'est ce que nous avons fait pour les autres. Non, vous n'allez pas enterrer monsieur. Les autres? Oui, les autres messieurs. Quels autres? Vous voulez dire d'autres? Plus d'un? Oh, oui. Des autres? Oui, combien en avons-nous? Ça fait 11, n'est-ce pas, Dorothée? Non, ma chérie, ça fait 12. Tu crois à 11 seulement? Non, ma chérie, 12. Je me suis même dit quand Monsieur Hoskins s'est entré, tiens, cela fera juste la douzaine. Oui, mais alors tu comptes le premier. Oui, moi je compte le premier. Eh bien, ce n'est pas très régulier. Ah, si, moi je compte le premier, comme ça fait 12. Mais moi j'essaie de te tricher. Que tu le veuilles ou non, ça fait 12. Il y en a 12 dans la maison. Oui, allô? Oh, Sam, comme ça fait bon d'entendre votre voix, si vous saviez. Hein? Non, Sam, je suis sobre comme une alouette. Oui, donc tout à l'heure, je vous ai appelé, je me sentais un peu Pirandello, vous voyez? Oui, Pirandello. Oh, de toute façon, vous ne comprendriez pas. Non, écoutez, je suis content que vous me téléphoniez. Il faut absolument que vous alertiez Georges tout de suite. Oui. Eh bien, il ira voir la pièce à ma place ce soir. Ah non, moi, je ne peux pas, non? Non, écoutez, je vous expliquerai demain. Ah, écoutez, prévenez Georges, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. On y tient. Que tu le veuilles ou non, ça fait 12. 12. Oui, bon. C'est la vie de ton Dorothée. Évidemment, on compte en premier, ça fait 12. Oui. Bon, alors, très bien, dites-moi. C'est... Bien, et maintenant dites-moi, qui était le premier? Monsieur Vigeli à Baptiste. Chérie,
Je persiste à penser que nous ne pouvons pas le mettre sur notre liste. Il n'a fait que mourir ici. Ta tante veut dire qu'il est mort sans notre secours. Tu comprends, il cherchait une chambre. Deux jours après ton installation à New York. Nous trouvions injuste qu'il y eût ici une chambre vide quand tant de gens sont sans abri. C'était un pauvre homme. Si seul. Plus de parents, plus de famille, plus personne autour de lui. Et cela l'avait laissé si seul, si abandonné. Nous avons été bouleversés. Tu ne peux pas imaginer comme il était pitoyable. Et tout d'un coup, quand il a eu son attaque, quand il s'est assis et s'est trouvé mort là dans ce fauteuil, son visage est devenu si calme, si détendu, presque souriant. Tu te souviens? Alors nous nous sommes jurés qu'à l'avenir, si nous pouvions procurer cette sérénité, cette paix à d'autres hommes abandonnés, eh bien, nous le ferions. Mais quand il est mort, vous avez dû être épouvanté, non? Oh, tu sais, ça nous rajeunissait plutôt. Ton grand-père vivait toujours avec deux ou trois cadavres auprès de lui. Bref, Teddy était en train de creuser son canal de Panama. Il crut que M. Midgley avait été victime de la fièvre jaune. Et qu'il fallait l'enterrer immédiatement. Nous avons donc descendu M. Midgley à Panama et nous l'avons couché dans l'écluse. Nous n'avons plus rien à t'apprendre. Maintenant, tu dois comprendre pourquoi nous t'avons dit de ne pas te tracasser. Nous savons exactement ce que nous avons à faire. Alors, c'est ainsi que tout a commencé. Un homme entre et tombe mort. Oui, c'était trop beau. Nous avons bien pensé qu'un pareil miracle ne se produirait pas deux fois, alors. Alors, tu te rappelles les flacons de poison qui se trouvaient dans le laboratoire de grand-père? Tu connais l'habileté de tante Martha à combiner de succulents petits plats. Nous avons assez souvent dégusté l'une de ses trouvailles. Oh, ce n'est pas bien compliqué à préparer. Pour 4 litres de vin de prunelle, tu prends une cuillerée à café d'arsenic, tu ajoutes une demi-cuillerée de strychnine et une toute, mais toute petite pincée de cyanure. Oh, ça doit être une violence! Ah oui, exceptionnellement, un de nos messieurs a eu le temps de dire « c'est délicieux ». Oh, et moi qui ai oublié le rôti. J'espère que tu peux rester digne avec nous. J'attends, tant que Martha expérimente une nouvelle recette qui doit être une merveille. Je ne pourrais pas avaler un morceau, je crois. Tu viens, Dorothée? Oui, je viens t'aider, chérie. Finalement, je suis soulagée que tu aies compris tout cela. Tu attends Hélène, n'est-ce pas? Oh, tu dois nager dans le bonheur. Je te laisse avec tes chères pensées. Chère Hélène, vous allez rentrer chez vous, hein, je passerai vous prendre demain. Demain? Et le théâtre? Ben, nous n'y allons pas. Pourquoi? Demain, il y a des changements. Hein, voilà, c'est ça, des changements. Voilà. Mortimer, chérie, vous avez perdu votre place? Non, mais je ne veux pas au théâtre ce soir, voilà tout. Écoutez, rentrez vite, hein, s'il vous plaît. Pas avant de savoir ce qui est arrivé. Je ne peux pas vous le dire. Mais enfin, chérie, nous étions sur le point de nous marier. Qui sert à nous? Il y a un quart d'heure, je vous m'avez demandé en mariage. Moi? Écoutez, j'ai un travail très important à finir. Hein. Alors vous allez rentrer chez vous, hein. Vous attendez que je vous fasse signe. Vous me demandez en mariage et l'instant d'après vous êtes à la porte. Hein. Mais enfin, je ne vous mets pas à la porte, mon amour. Je vous demande simplement de vous en aller. Je ne partirai pas. J'exige d'abord une explication. Non, pas là. Non, vous n'asseyez pas là. Surtout pas là. Ne quittez pas, vous. Allô? Ne quittez pas, Sam. Hélène, vous êtes très gentille hier, Hélène, et je vous aime beaucoup. Mais je vous demande simplement de rentrer chez vous et de m'y attendre. Je vous préviens, Mortimer, j'ai horreur des gens parvenus. Ma chère Hélène,
lorsque nous serons unis par les liens sacrés du mariage et que j'aurai ma responsabilité les a assumés, je veux espérer que vous serez un peu plus compréhensive et moins hargneuse. Eh bien moi, si jamais nous nous marions, je veux espérer que vous serez un peu plus équilibré. Bien sûr. Hélène! 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 Vous pourriez revenir. Oui, allô? Allô? Allô, Sam? C'est la porte, allô, mon petit, ce n'est pas le téléphone. Oui, ça va. Où as-tu la tête? Allô? Allô? Sam? Allô? Monsieur? On m'a dit que vous aviez une chambre à louer. Mais certainement, voulez-vous entrer? Vous êtes la propriétaire? Je suis mademoiselle Brewster. Et voici ma sœur, l'autre demoiselle Brewster. Allô? Je m'appelle Gibbs. Monsieur Gibbs, asseyez-vous donc. Allô? Excusez, nous étions en train de mettre le couvert pour le dîner. Oh oui, Sam, dis donc mon vieux. Oh, pardon madame, excusez-moi. Puis-je voir la chambre? Êtes-vous si pressée? Nous pourrions peut-être faire connaissance. Nous ferons connaissance si la chambre me plaît. Vous habitez Brooklyn? Je n'habite nulle part. Je vais d'hôtel en hôtel. C'est tellement triste. Oh, quelle pauvre fin de vie je suis obligée de mener. Pas libre. Votre famille est de Brooklyn? Je n'ai pas de famille. Tout seul au monde? Oui. C'est vraiment sinistre, je vous assure. Asseyez-vous donc. Ah, monsieur Gibbs, vous avez choisi exactement la maison qu'il vous fallait. Sam, oui, Sam, on nous avait coupé. À quelle église allez-vous? Je suis presbytérien, depuis toujours. Enfin, écoutez, que fait-il au Bermude, George? Il faut absolument trouver quelqu'un d'autre. Non, mais je vous dis que je ne peux pas. Y a-t-il toujours autant de bruit ici? Non, il n'habite pas avec nous. Bon, et le planton, il peut pas aller à la générale à ma place, lui, le planton? Eh ben, comme ça, pour une fois, on aura de la sincérité dans la critique dramatique. Excusez-moi d'insister, je voudrais voir la chambre. Tout de suite, elle est là-haut. Mais ne buvez-vous pas un verre de vin avant de monter? Je ne bois jamais de vin. Oui, mais celui-ci est spécial, nous le fabriquons nous-mêmes. C'est du vin de prunelle. Du vin de prunelle? Oh, je n'en ai bu qu'une fois dans ma vie. J'avais 10 ans. Je ne refuse plus. Je n'ai pas eu tant de plaisir dans ma lugubre existence. Et Joey, où est-il? Et vous avez vos propres pruneliers? Pas exactement. Mais le cimetière en est rempli. Non, Sam, je suis pas ivre, vous voyez. Mais maintenant, ouais, je stoppe, je me mets à boire. Je peux te prendre ces repas ici, mère. Si vous voulez, voyez d'abord si vous aimez notre vin. Non, mon petit, pas toi. Pas toi. Ah! Ah! Foutez-moi le camp! Foutez-moi le camp! Vous voulez qu'on vous empoisonne? Vous voulez qu'on vous tue? Qu'on vous supprime? Qu'on vous assassine? Hein? Vous voulez aller à Panama, vous aussi? Et voilà, tu as tout gâché! Pardon, excusez-moi. Écoutez-moi, c'est très simple. Vous ne devez plus faire ce que vous avez fait là. Moi, je ne sais pas comment vous dire. Vous n'agissez pas seulement contre la loi. Vous agissez mal. Très mal. Ce ne sont pas des choses à faire. Les gens ne comprendraient pas. Regardez-lui. Il n'aurait pas compris. Nous avons eu tort de mettre Mortimer dans la confidence. Nous sommes trop confiantes. Écoutez, je vous demande de réfléchir. C'est devenu chez vous une habitude. Une mauvaise habitude. Mortimer, est-ce que nous t'avons déjà empêché de faire ce que tu voulais? Non? Alors, pourquoi te mêlerais-tu de nos petites affaires? Attends, Dorothée, tu n'as pas l'air de comprendre. Oh. Allô? Bien, Sam, très bien. Dieu l'aura voulu, j'irai voir cette pièce. Et je vous préviens, j'irai seulement voir le premier acte et j'en dirai pique-pan. Voilà. Sam? Alors, Sam, oui. Sam, dites-moi. Pouvez-vous joindre O'Brien, notre avocat? Oui. Dites-lui qu'il vienne nous rejoindre ce soir au théâtre. Oui. Je compte sur vous, hein? Oui, c'est entendu, je pars tout de suite.
Bon, mes petites tantes chéries, je suis obligé d'aller voir cette pièce. Mais avant de partir, je veux que vous me juriez quelque chose. Avant de jurer, il faut savoir à quoi l'on s'engage. Je vous aime beaucoup et je sais que vous aussi, vous m'aimez beaucoup et je ferai n'importe quoi pour vous. Mais en échange, je vous demande simplement une toute petite faveur. Laquelle ? Ne faites rien, absolument rien jusqu'à mon retour, hein, que personne n'entre ici. Et laissez Monsieur Hoskins où il est. Mais en voilà une idée. Écoutez, j'ai besoin de réfléchir, j'ai un grand besoin de réfléchir. Je serais trop malheureux si vous arrivez quoi que ce soit. Mais que peut-il nous arriver? Enfin, tante Dorothée pour moi, hein, pour moi. Vous pouvez bien ne rien faire jusqu'à ce que je revienne, non? Et nous comptons célébrer le service funèbre avant le dîner. Oui. Service funèbre? Mais tu ne supposes tout de même pas que nous allions enterrer Monsieur Hoskins sans tout le rite méthodiste, puisqu'il était méthodiste. Bon, très bien, et ça ne peut pas attendre mon retour, non? Parce qu'alors tu serais de la cérémonie? Eh bien, pourquoi pas? Je suis sûre que cela te plaira, surtout les chants. Tu te souviens que Mortimer chantait bien les psaumes avant que sa voix n'ait mué? Bon, c'est personne, Mortimer, c'est promis. Eh bien... Personne? Oh, il me semble, Martha, que nous pouvons lui accorder cette petite satisfaction maintenant qu'il est notre confident. Personne, Mortimer, c'est promis. Parfait, parfait. Au fait, j'y pense. Auriez-vous un bloc-notes? Celui-ci est tout neuf. Magnifique. Comme ça, je pourrais écrire mon article. En allant au théâtre, ça me gagnera toujours du temps. Mortimer n'avait pas l'aide dans son assiette aujourd'hui. Oh, c'est bien compréhensible. Et pourquoi? Il a décidé de se marier. J'ai remarqué que ça rendait toujours les hommes un peu nerveux. Oh, je suis heureuse pour Mortimer et puis Hélène également. Et puis leur voyage de noces leur tiendra lieu de vacances. Il ne s'est guère reposé ces derniers temps. Il a tellement envie de bouger. Le Mexique, l'Espagne, tous les pays le temps. Je ne comprends pas ce qui l'attire au loin. Oh, tu sais, pour Mortimer, le théâtre est un peu comme des hors-d'œuvre. Il a besoin d'une matière énorme à critiquer. L'humanité, par exemple. Oh, Dorothée, puisque Mortimer va revenir pour la cérémonie, nous aurons besoin d'un autre livre de cantiques. Il y en a plusieurs dans ma chambre. Normalement, c'est mon tour de célébrer l'office. Mais comme tu n'étais pas là pendant la visite de Monsieur Hoskins, je te cède ma place. Oh, tu es trop gentille, mais vraiment, ça ne te dérange pas. Non, ce n'est que justice. Eh bien, je mettrai mon fichu noir... Et la jolie broche de Marie. J'y vais, chérie. Mortimer nous a fait promettre de ne laisser entrer personne. Qui cela peut-il être? Deux hommes. Deux inconnus. Tiens. Une voiture est arrêtée devant la porte. Elle doit être... Oui. Chut. Faisons comme si nous n'y étions pas. Entrez, docteur. Oh. La voilà, la maison de mon enfance. Janice, je n'avais qu'une idée en tête, c'était de la quitter. Aujourd'hui, je suis rudement content de m'être échappé pour y revenir. Ça, Johnny, ça m'a l'air d'une bonne cachette. Je pense que la famille habite toujours ici. Ah, certainement. Il y a quelque chose d'indubitablement Brewster chez les Brewster. J'espère que le Vaugrain est prêt pour le retour de l'enfant prodigue. Ah, ce ne serait pas de refuge et une fin terrible. Hé, regardez Johnny. Il y a à boire. Comme si on nous attendait. Le représage. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Tante Dorothée, Tante Martha. Encore une fois, qui êtes-vous? Jonathan, pardon, Johnny. Sortez immédiatement. Je suis votre neveu. Je suis Johnny. Vous êtes un imposteur. Vous n'avez rien de Johnny. Sortez. Je t'assure que je suis Johnny. Et voici le docteur Einstein. C'est faux. Tout est faux. Qui êtes-vous? Je vois que tu portes toujours ce charmant bijou que grand-maman Brewster avait rapporté d'Angleterre. Et toi, tante Martha, tu mets comme avant ce col pour cacher la cicatrice que te fit un jour l'acide de grand-père Brewster. Il est vrai que sa voix ressemble étrangement à celle de Johnny.
Vous avez eu un accident? Non. Ah, mon visage. Oui. Eh bien, voici le responsable. Il est chirurgien esthétique. Et sa spécialité est de changer le visage des gens. J'ai déjà vu ce visage-là quelque part. Mais j'y suis! Le film d'épouvante avec le petit chou. L'odieux criminel, c'était lui! Allô, Johnny, tenez-vous tranquille. Ne vous inquiétez pas, mesdames. En 5 ans, j'ai fait à Johnny 3 visages différents, plus celui-ci qui est tout récent. Et je l'avoue, j'avais aussi vu ce film quelques jours avant l'opération. C'est ce qui vous explique la ressemblance. Vous m'avez fait si monstrueux que même ma propre famille. Non, Johnny, vous êtes ici chez vous. On ne peut pas mieux vous recevoir. Oh, m'en a-t-il souvent parlé de son Brooklyn, de ses chères tantes et de leur maison. Eh bien qu'elles vous reconnaissent. C'est Johnny. Vous n'en doutiez pas, n'est-ce pas? Eh bien, dites-le-lui. Eh bien, Johnny, qu'êtes-vous? Qu'es-tu devenu depuis tant d'années? Où étais-tu? Angleterre, Afrique du Sud, Australie, Chicago ces dernières années. À Chicago, collaboration avec le docteur Einstein. Nous y sommes allés pour l'exposition universelle. Oui, et il y avait fait très chaud. Ah, bah pour nous aussi, il y a fait chaud. Je vous assure. Ah, je suis vraiment ravi d'être à Brooklyn. Et toi, tante Dorothée? Et toi, tante Martha? Ah, vous n'avez pas vieilli d'un jour. Je vous retrouve aussi douce, aussi charmante, aussi accueillante. Et Telly, s'est-il lancé dans la politique? Mon jeune frère avait décidé de devenir président des États-Unis. Teddy va bien, très bien, et Mortimer de même. De lui, on n'ignore rien. J'ai vu sa photo en tête de ses articles. Il a tenu toutes les promesses de sa précoce et odieuse nature. Nous aimons beaucoup Mortimer. Eh bien, Johnny, nous avons été ravis de te revoir. Dieu te bénisse, tante Martha. Ça fait plaisir de se retrouver chez soi. Soit, ne laissons pas brûler le dîner. Johnny, si tu veux t'en aller, ne gêne pas. Que faisons-nous? Nous n'avons pas de temps à perdre. La police est à nos trousses. Elle a des photos de votre nouveau visage. Il faut que je vous opère le plus tôt possible. Trouvons du linge, un endroit pour le faire. Et puis, il faut aussi cacher M. Spinalzo. Ne vous donnez pas la migraine pour M. Spinalzo. Mais Johnny, nous avons sur les bras un cadavre à peine refroidi. Laissez M. Spinalzo tranquille. Johnny, vous ne pouvez pas laisser son corps dans le coffre arrière de la voiture. Vous n'auriez pas dû le tuer, Johnny. C'était un brave garçon. Il a dit que je ressemblais à Frankenstein. Ah, il est joli votre travail, docteur. Voyez ce que vous avez fait de moi. Oui, trouvez-moi un endroit tranquille et je vous arrange ça. Parfaitement. Et cette nuit même. Oh, laissez-moi en même temps de manger. J'ai tellement faim, je m'en trouve mal. Johnny, nous te remercions de ne pas nous avoir oubliés et d'avoir pris la peine de venir nous saluer. Mais tu ne t'es jamais vu ici et nous n'avons jamais eu de plaisir à t'élever. Alors, bonsoir. Tante Dorothée, je ne peux pas dire que ces tendres sentiments me surprennent. Mais je tiens à t'apprendre ceci. J'ai passé de longues heures à regretter toutes les émotions pénibles que je vous ai procurées pendant mon enfance. Ça, tu nous soumettais à de rudes épreuves. Mais c'est pour le docteur Einstein que je suis très déçu. Nous sommes horriblement pressés. Nous ne devions que traverser Brooklyn. Qu'importe, lui ai-je dit. Je vous emmène chez mes tantes Brewster, où vous dégusterez de ces petits plats faits à la maison, dont tante Martha a le secret. C'est vrai? Notre dîner n'est prévu que pour 3. Oh oui, mais le rôti est succulent. Un rôti à la tante Martha? C'est d'accord, nous restons à dîner. Ce sera vite fait. Bon, nous allons nous dépêcher. Si tu veux te rafraîchir, tu peux monter dans le cabinet de toilette de ton grand-père à côté du laboratoire. Le laboratoire existe toujours? Exactement comme il l'a laissé. Je vais aider Martha. Ne nous attardons pas. Ouf, nous aurons à dîner. Le laboratoire de grand-père. La voilà, notre salle d'opération. Pour moi, et ensuite pour la clientèle. Le cadre, il est trop modeste, hein? Alors bon. Quand vous en aurez terminé avec moi, nous pourrons faire fortune ici.
à côté du laboratoire. On peut t'installer. Dis-le, tout Brooklyn réclamera vos talents. Nous arrivons trop tard. Mais non, les trois quarts des gens de Brooklyn ont besoin de se cacher derrière un nouveau visage. Ha ! La plupart des anciens visages sont en prison. Erreur. À Brooklyn, on s'est arrosé la police pour rester en liberté. Ah, jamais vos tantes n'accepteront. Nous verrons cela. Commençons par dîner. Et après dîner? Laissez-moi faire. Je vous dis que cette maison va devenir notre quartier général pour des années. Ouais, je reviens sur ma première impression. Ce ne serait pas mal ici. Endroit paisible. Vos adorables tantes, je sens que je les aime déjà. Jamais de les bagages. Allons, docteur. Attendons d'y être invités. Bah, vous venez de dire que... Nous serons invités. Ouais, elles peuvent refuser. Ça me paraît difficile. De vieilles demoiselles. Sans défense. Ah, nous serions divinement bien ici. Il me semble que je revis. Pourvu que ce ne soit pas un rêve. Moi qui aime tant le calme. Ah oui, docteur, cette maison est calme. Voilà pourquoi elle nous convient si bien. Ces 5 années à Chicago ont été parmi les plus chargées et les plus heureuses de mon existence. Tu as certainement mené une vie passionnante, Tony, mais nous n'aurions pas dû te permettre de bavarder jusqu'à une heure aussi avancée. Tu dois avoir besoin de te reposer. Votre dîner m'a rendu si béat que je me sens incapable de remuer même le petit doigt. Ouais, on est rudement bien chez vous. Oui, mais il est vraiment trop tard. Je l'ai trouvé! Ça y est, je l'ai trouvé! Qu'as-tu trouvé, Teddy? Ma biographie, l'histoire de ma vie. Regardez, général, c'est la photo dont je vous parlais. Nous voici tous les deux assistants au défilé de la fête nationale. Venez, nous devons inspecter l'écluse de Panama. Nous lui avons permis de creuser le canal de Panama dans la cave. Teddy, je pense qu'il est l'heure d'aller te coucher. Je vous demande pardon, qui êtes-vous? Je suis le président Wilson. Va au lit. C'est faux! Vous n'êtes pas Wilson! Mais je vous ai déjà vu quelque part. Ou alors, je ne vous connais pas encore. Je vous verrai pour la première fois l'année prochaine, lorsque j'irai chasser le tigre en Afrique. Vous avez tout à fait la tête de quelqu'un que je rencontrerai dans la jungle. Monte donc, mon petit. Johnny et son ami vont rentrer à leur hôtel. Général, pourquoi n'iriez-vous pas inspecter le canal avec lui? Entendu, monsieur le président, nous partons pour Panama! Bravo, magnifique! Mais je vous préviens, nous vous descendons très au sud! Tante Dorothée, excuse-moi de te reprendre, mais tu as parlé de notre hôtel. Or, nous n'avons pas d'hôtel. Nous sommes venus directement ici. Oui, mais à 3 maisons sur la gauche, il y en a un charmant. Martha, c'est ici que je logerai. Mon ancienne chambre n'est pas libre. Nous n'avons pas de place pour le docteur Einstein. Je partagerai ma chambre avec lui. Je suis sincèrement désolée, Johnny, mais nous ne pouvons pas vous garder. Le docteur et moi-même avons besoin d'un endroit où passer la nuit. Vous vous rappeliez tout à l'heure à quel point je pouvais être insupportable dans mon enfance. Il serait très désagréable pour tout le monde que je fasse une nouvelle scène. Une scène d'adulte, cette fois. Mieux vaudrait peut-être qu'il passe la nuit sous notre toit. Rien que la nuit, alors. C'est entendu. Vous pouvez aller préparer la chambre. Elle a simplement besoin d'être aérée. J'ai l'impression que vous n'appréciez pas le docteur Einstein à sa juste valeur. C'est un hôte de marque que je vous ai amené. Vous ne soupçonnez sans doute pas son extraordinaire habileté. Mais dans quelques semaines, quand vous verrez un Johnny
totalement différent. Alors vous comprendrez. Quoi, mais il ne peut pas t'opérer ici? Oh, nous nous organisons très bien, soyez sans crainte. Le laboratoire de grand-père sera notre salle d'opération. Nous aurons bientôt une grosse clientèle. Tu ne vas pas transformer cette maison en hôpital? En hôpital, certainement pas. Mais en institut de beauté. Ah non, Johnny, ça non! Johnny, Johnny! Une bonne nouvelle, docteur. Mes adorables tantes nous invitent à rester dans cette maison. Simplement pour cette nuit, Johnny, tu nous l'as promis. Vous préparez la chambre, oui? Entendu. Savez-vous ce que j'ai trouvé en bas de la cave? Non. Le canal de Panama! Le canal de Panama. Il convient exactement à Monsieur Spinalzo. C'est un trou que Teddy a creusé. 1,50 m de large sur 2 m de long. Là, en bas? Oui, comme si vos tantes et votre frère avaient prévu que Monsieur Spinalzo nous accompagnerait. Ça, c'est de l'hospitalité. Ah, ce serait une assez bonne farce à faire à tout ce monde-là. Ouais, mais comment le porter jusque-là? Garons la voiture entre le cimetière et la maison. Quand tout le monde sera couché, nous passerons par la fenêtre. Se coucher? Ah, bien que cette nuit, nous dormirons dans un lit. Allons, docteur. Vous m'opérez demain, ne l'oubliez pas. Il vaudrait mieux être à jeun cette fois. Je vous ferai super. J'y compte bien, sinon... La chambre est prête, Johnny. Parfait. Allez vous coucher, nous allons garer la voiture. Ouais, elle peut rester là jusqu'à demain. Dans la rue? Certainement pas, nous pourrions attraper une contravention. Bon, alors que faisons-nous? Nous ne les garderons pas plus d'une nuit. Tu imagines ce que penseraient les voisins? Des gens qui rentrent ici avec un visage et qui en sortent avec un autre. Et Monsieur Hoskins? Le pauvre cher homme. Le mieux est que Teddy ne descende à la cave maintenant. Dorothée, je n'inviterai pas Johnny et son ami à la cérémonie. Moi non plus, c'est exactement mon avis. Nous attendrons qu'ils se soient endormis, ces deux-là. Le général s'est montré satisfait. Il trouve que l'écluse a exactement les dimensions qu'il faut. Teddy, il y a une nouvelle victime de la fièvre jaune. Dieu de Dieu, quel coup pour le général! Chut, il ne faut surtout pas lui en parler. Cela gâterait sa visite. Désolé, mais le règlement est formel. Nous devons garder cela secret. Secret d'État? Oui, c'est promis. Puisque vous avez la parole du président des États-Unis, crois sur mon cœur, si je manque, que je meurs. Comment allons-nous faire pour garder nos si lourds secrets? Tu vas attendre à la cave. Quand j'aurai tout éteint, tu remonteras et tu feras le transport. Et nous te rejoindrons pour la cérémonie. Dites que le président dira quelques mots. Où est-il, ce malheureux? Dans le coffre. Tiens, ça gagne du terrain. Nous n'avions jamais eu quatre fièvres jaunes dans ce coin-là. Il faut absolument arriver à ce que Johnny et son ami aillent se coucher tout de suite. Le temps qu'ils s'endorment et nous nous préparons pour la cérémonie. Mais dis-moi, je n'ai pas encore vu Monsieur Hoskins. Oh, bonté divine, c'est vrai. Il a bonne apparence pour un méthodiste. Nous passons des bagages par ici. Ta chambre est prête, Johnny. Je ne crois pas que nous respecterons les horaires de Brooklyn, mais vous deux, allez vous coucher. Nous veillons très tard, tu sais. Vous avez tort. Je me félicite d'être venu pour vous surveiller. Mais nous pourrions rester debout, je suis sûr. Oh, je t'ai demandé de monter, tante Martha. Bon, docteur! 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 Vos instruments pourront attendre jusqu'à demain. Nous n'avons qu'à tous monter. Ce sera mieux. J'éteindrai quand vous serez là-haut. Ouais. Encore un étage, docteur. Allons, tante Dorothée, dépêche-toi. Mais oui, toujours ta manie de nous bousculer. Thank you.
peux y aller. Allez, jeter un coup d'œil dehors. Quand je taperai au carreau, vous ouvrez la fenêtre. Jonathan Brewster, et voici le docteur Einstein. Ah, vous êtes... Ah. Ouvrez-moi! Ouvrez-moi! Qui êtes-vous venu espionner? Vous avez cru voir quelqu'un rôder autour de la maison, n'est-ce pas? Oui. Et puis... Je vous jure que non! Faire irruption dans cette maison en pleine nuit, voilà qui me semble louche. Ah, ah, Tini! Dites à cet homme qui je suis! C'est la blanchisseuse! Sois correct avec ces messieurs, Alice, je te prie! Charge! Prends le mouchoir, docteur! Tini! Non! Et à la cave! Qui a crié? D'où viens-tu? Nous vous avons mis la main sur un sale petit cambrioleur. Rentrez dans votre chambre. Il faut appeler la police et que ce vilain garçon soit puni. Jamais nous ne nous ferons les complices du mal, Jonathan. Je vous ai demandé de ne vous inquiéter de rien. Remontez dans votre chambre. J'ai l'impression que la pièce continue ici. C'est Jonathan, ton frère, son ami. Je ne l'aurais pas reconnu. Mais il a toujours une sale tête. Mortimer, aurais-tu oublié ce que je te faisais subir quand nous étions petits? Je me souviens que tu étais cruel et venimeux. Vous n'allez pas recommencer à vous disputer comme dans le temps. Certainement pas. Allez, filez vous deux. Nous les avons retenus pour cette nuit. Seulement pour cette nuit, Mortimer. Bon. Tant pis. Mais pas une minute de plus, hein. Demain matin, dehors. Où les avez-vous casés? Dans l'ancienne chambre de Johnny. Ah non, maintenant c'est ma chambre. Cette nuit, je vais dormir ici. Alors qu'il se débrouille autrement. C'est vrai, hein. Je suis contente. Vous dormirez sur le canapé et moi sur le coffre. Le coffre? Non, 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 c'est moi qui dormirai sur le coffre. Cette discussion me fait penser à Monsieur Spinalzo. Au fait, Monsieur Spinalzo. Après tout, Mortimer, je ne vois pas pourquoi nous prendrions ta chambre. C'est nous qui allons dormir ici. Excellente idée! Allons chercher nos bagages. Petit. Vous allez m'aider, je vous expliquerai.
grand ballon. Mortimer pourra vite retrouver ses aises. C'est inutile, je t'ai dit que je dormirais ici. Mortimer! Qu'avez-vous, mon amour? On a voulu me tuer! On a voulu vous tuer? Tante Dorothée, tante Martha! Mortimer, que vas-tu supposer? C'est Johnny! Il l'avait prise pour un cambrioleur! Si c'était ça, c'est un horrible menti! Mortimer! Des failles! Avez-vous des selles? Oui, c'est ça, du café. Et pour moi aussi. Et avec des sandwichs, hein. Je n'ai pas dîné. Je vais vous préparer un petit souper. Nous pouvons laisser nos affaires ici. Enfin, vous n'allez pas sortir, je suppose, il est au moins minuit. Il est minuit 12. 12 Hélène. Hélène, il faut absolument que vous partiez, Hélène. Encore? Je viens lui proposer du café, dans une minute, il sera prêt. As-tu oublié que nous tenions à célébrer vos fiançailles? Nous allons vous préparer un bon petit souper et nous déboucherons une vieille bouteille de vin. Oui. Avec plaisir, oui. Non, pas de vin! Surtout pas de vin! Mortimer, chérie, mais que se passe-t-il dans cette maison? Ce qui se passe dans cette maison? Je ne comprends pas votre question. Je vous en prie, faites un effort! Ce dîner et ce théâtre décommandé, ces fiançailles suivies de ma mise à la porte, votre frère qui se jette sur moi, et vous qui reparlez de me mettre dehors, j'ai le droit de savoir où j'en suis. N'aimez-vous? Je vous aime tellement, mon amour, que je préfère ne pas vous épouser. Vous devenez fou? Fou pas encore, mais ça ne saurait tarder. La folie galope dans ma famille, je ne peux pas vous épouser. À cause de Teddy. Il n'y avait que lui. Mon arrière-grand-père scalpait les Indiens. Mon grand-père essayait de se remettre sur des morts pour être sûr de ne pas les tuer. Et Jonathan, le maniaque, a voulu vous étrangler, non? Les Brewster ne doivent pas, ne peuvent pas se marier. Puis si j'avais connu papa à temps, je leur empêchais de faire cette bêtise, croyez-moi. Oui, mais vous, chérie, vous êtes un garçon dont on n'a rien à redouter. Et vos tantes, elles sont si adorables. Et pourtant, ce sont des Brewster. Et des personnes les plus équilibrées que je connaisse. Elles aussi ont leurs petits défauts. Oui, oui, mais ce sont des petits défauts adorables. Gentillesse, générosité, sollicitude. Il y en a un autre. Mais il y en a des tas d'autres. Quoi? Vos tantes ont toutes sortes d'exquises manies, mais qui sont autant de bienfaits pour le voisinage. Vous devriez avoir honte de parler d'elle ainsi. Je vous garantis que je n'en parlerai plus. Oh, Hélène, pour l'amour de Dieu, si vous avez le moindre sentiment pour moi, partez, viendrez vivre quelque chose d'effrayant. Mais... Je suis fou, inutile de vous cacher, fou, je suis fou, fou comme tous les autres boosters. Alors partez, ce sera plus prudent. Je vous préviens, Mortimer, si votre folie est un prétexte, c'est raté. Je vous aime et je vous épouserai. Bon, merci, mais au revoir. Mais je ne vous embrassez pas. Si. Bonne nuit. Je vous passerai me prendre demain, ou après-demain, ou... Mon Mortimer, c'est lui qui vous détrape complètement. Tante Dorothée et tante Martha. Une minute. Non, tout de suite. Tante Dorothée, tu m'avais juré que personne n'entrerait ici pendant mon absence. Oui, eh bien... Qui est là? Ben, nous te l'avons dit, monsieur Hoskins. Regarde. Tiens, qui ça peut-il être? Eh bien, je vais te le dire, moi. C'est encore un autre de vos messieurs. Cet homme est un imposteur. Et s'il a pensé venir ici uniquement pour se faire enterrer dans notre cave, il se trompe. Ah bien, et monsieur Hoskins, où est-il? Il a dû aller à Panama. Vous l'avez enterré à la cave? Non, pas encore, à cause de Johnny.
monsieur nous est tout à fait étranger. Mais étranger, comment veux-tu que je te croie quand vous en avez déjà enterré 12? Eh bien, tu ne penses pas que je m'abaisserai jusqu'à te dire un mensonge? Martha! Martha! J'ai deux mots à terre. J'espère que tu sortiras avant d'avoir le temps d'en ajouter un troisième. Nous sommes exactement du même avis. Impossible que nous vivions tous les deux sous le même toit. Alors prends tes affaires et fiche le camp. On t'a assez vu ici. Compris? Tu crois que j'ai peur? Mais moi, de quoi crois-tu que je puisse avoir peur? Regardez, tu verras. Oh. Non! Mais au fait, si tu laissais ton Martha regarder, je te dois des excuses, tante Dorothée. Ah. Car non seulement Jonathan et son docteur s'en vont, mais ils emportent leur petit compagnon. Eh oui, Jonathan, je ne veux pas oublier que tu es mon frère, alors je te donne ta chance. Pars, mais pars tout de suite. Ou préfères-tu que j'appelle la police? Tu oses me menacer? Quand tu as vu ce qui pouvait t'arriver? Le spectacle de Monsieur Spinalzo ne t'a pas suffi? Monsieur Spinalzo, vous savez bien que c'était un étranger. Tu permets? Ah, bonsoir, mademoiselle Dorothée. Oh, bonsoir, sergent O'Hara. Qu'y a-t-il pour votre service? Ah, j'ai vu de la lumière. Quelqu'un de malade? Oh, je vous demande pardon, vous avez de la visite. Excusez-moi. C'est Nodon. C'est l'autre neveu, Mortimer. Ah, enchanté. Et voici Jonathan, un autre de nos neveux. Ah, ben voilà des visites qui doivent vous faire plaisir. Vous, je vous ai déjà vu quelque part. Je ne crois pas, non. Tu fais bien de te dépêcher. Oui, je m'en allais. Non, non, restez donc, jusqu'au départ de mon frère, il nous quitte à la seconde. Dites-moi, vous ne refuserez pas de prendre une tasse de café avec nous? Bien sûr, mais je ne voudrais pas déranger ces charmantes demoiselles. Pas du tout. Le café va être prêt. Oui, je vais préparer quelques sandwichs supplémentaires. Le sergent O'Hara doit avoir faim. Ah, c'est merveilleux ici, hein. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, on est certain d'être accueilli à bras ouverts par les adorables sœurs Brewster. Exactement. Asseyez-vous donc. Oui. Je n'ai pas vu une photo de votre frère ici ou un portrait. Ça m'étonnerait, non? Ah, alors il doit ressembler à quelqu'un. Un acteur de cinéma, sans doute. Ah non, 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 non. Je ne vais jamais au cinéma, je l'ai en horreur. Ah non, parlez-moi de théâtre, oui, parce que je suis le fils d'une actrice de tournée. Ben, le théâtre, je l'ai dans le sang. Tiens, écoutez, figurez-vous que je suis critique dramatique. Quoi? Vous seriez le Mortimer Brewster du journal de... Eh oui. Ah, ah, ça fait plaisir. Oui, alors, puisque vous aimez le théâtre, je vais vous faire une confidence. Oui, la police, pour moi, c'est mon gagne-pain. Oui. Non, non, moi, ma passion, ma vocation, c'est le théâtre. Écrire des pièces. Ah oui, vraiment? Oui. Bah, j'espère bien qu'elles seront jouées un jour, vous pensez. Mais quelle matière cela peut m'apporter d'être dans la police? Monsieur Brewster, vous ne vous faites pas une idée de tout ce qui peut se passer à Brooklyn. Oh, si, croyez-moi, je m'en fais même une idée très précise. Oh là, 1h10, il faut que j'aille me faire pointer. Non, tenez, attendez, pour votre pièce, je vous aiderai. Non! Si! Vous feriez ça pour moi? Oui! Ah, c'est le destin qui vous fait nous rencontrer ce soir. Vous permettez que je vous résume mon prochain drame? Tu t'en vas? Parfait. Le café va être prêt. Merci. Vous partez? Au revoir, docteur. Jonathan, n'oublie pas, il faut que tu emportes toutes tes affaires. Voilà. J'ai été ravi de vous voir. Nous reparlerons de votre pièce une autre fois. Monsieur Brewster, je reste. Cette pièce, nous allons l'écrire ensemble.
C'est que je ne suis pas auteur dramatique, moi. Oh, mais je vous donnerai le plan, vous écrirez les dialogues. Enfin, Ouara... Rien à faire, je ne partirai pas tant que je ne vous aurai pas raconté l'intrigue. En ce cas, Mortimer, nous partons. Quoi? Tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu emportes tout. Ouara, mon frère doit s'en aller, vous comprenez? Oui, mais je peux attendre, hein, j'ai déjà attendu 12 ans. 12? Je m'excuse d'avoir été si longue. Oui, bon, nous n'allons pas les manger ici. Hein. Ouara, vous voulez bien venir dans la cuisine les manger avec nous? Oui, Johnny doit partir. Ah, bien, bien. Vous suivez? Ah, si vous voulez, oui. Ravi de t'avoir revu, Johnny. Jonathan. Content que tu sois revenu à Brooklyn pour me donner l'occasion de te flanquer dehors. Toi, ton petit ami, Monsieur Spinazzo. Hein? Venez donc, nous serons très bien pour bavarder. Oui, j'arrive, voilà. J'arrive tout de suite. J'arrive. Je vous ai dit de partir. Et tous les trois. Docteur, j'ai un compte à régler avec mon frère. Nous allons emporter Monsieur Spinazzo. Nous le jetterons dans la baie. Puis nous reviendrons ici. En ce moment-là, si Mortimer intervient. Allons, Johnny, tenez-vous donc tranquille. Docteur. Vous savez très bien que quand j'ai décidé quelque chose... Oui, je sais que quand vous avez décidé une chose, vous perdez la tête. Croyez-moi, Brooklyn n'est pas un endroit pour nous. Ok. Nous sommes de vieux complices. Nous nous ferons passer ensemble. Descendons nos affaires à la cave. La cave? Qu'est-ce qui vous prend? Ce trou dans la cave, il faut nous en servir, allez vite! Jonathan! Jonathan! Johnny! Oui, Mortimer. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Il me semblait pourtant t'avoir dit de partir. Nous restons. Très bien. Tu l'auras voulu. Sergent O'Hara ? Si jamais tu dis à O'Hara ce qu'il y a dans ce coffre, moi je lui dirai que dans la cave, il y a un monsieur qui paraît bien mort. Qu'es-tu allé faire dans la cave ? Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il y fait ? Eh, monsieur Booster. Vos tantes aussi veulent écouter mon histoire. O'Hara, vous allez vous faire pointer, n'est-ce pas? Non, mais au diable le pointage, hein. C'est dimanche, cette nuit pour moi. Donc, allons rejoindre ces demoiselles. Non, ça nous ferait trop de monde. Hein. Voyons-nous plutôt tout seuls. Hein. Et puis ailleurs aussi, hein. Puis une autre fois. Hein. Voilà. Chez Kelly, dans l'arrière-salle. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous allez vous faire pointer, on se retrouve chez Kelly. D'accord. Voilà. Et pourquoi n'iriez-vous pas vous installer dans la cave? Ah bah, moi je veux bien, pourvu que je puisse raconter. C'est pas grave. Non, O'Hara, oui. Moi aussi j'ai une petite course à faire dehors. Hein. Alors, nous allons la faire ensemble, hein, je vais avec vous. D'accord. Écoute-moi bien, je vais revenir, mais fais que je ne te trouve plus ici. Ou plutôt non, attends-moi. Voilà des années que j'attends une occasion pareille. Vous pouvez remonter les bagages, docteur. Cette fois, je pense qu'ils sont partis. Pas encore, mes chères petites tantes. Je vous avoue même que je mangerai volontiers un morceau. Pourquoi n'iriez-vous pas nous préparer quelque chose à la cuisine? Pendant ce temps, nous emmènerons Monsieur Spinazzo à Panama. Ah non, vous l'emmènerez avec vous. Un ami de Mortimer, là-dedans, en bas. Nous allons les mener. Ils s'entendront très bien, tous les deux.
L'ami de Mortimer? S'agirait-il de Monsieur Hoskins? Monsieur Hoskins? Vous savez quelque chose sur ce qu'il y a en bas? Évidemment, mais ce n'est pas un ami de Mortimer, c'est un de nos messieurs. Un de vos messieurs? Parfaitement. Et votre carte n'est pas faite pour les étrangers. Et puis, elle est déjà assez encombrée. Encombrée? Mon petit, nous y avons déjà mis 12 personnes. 12 personnes? Tu voudrais dire que tante Martha et toi, vous avez déjà supprimé... Oh, supprimé. Le mot est impropre. C'est une de nos charités. Nous agissons ainsi par bonté d'âme. Votre monsieur Spinalzo n'a rien à faire ici. Vous, dans cette maison, tout ce monde... Vous vous rendez compte? Nous avons été poursuivis par toutes les polices du monde. Et elles, qui sont restées à Brooklyn, bien tranquilles, ont fait exactement aussi bien que vous. Comment ça, aussi bien que moi? Ah bah, comptez. Un à Londres, deux à Johannesburg, un à Sydney, un à Melbourne, deux à San Francisco, un dans le Connecticut, trois à Chicago, plus celui-ci pour finir, ça fait 12. Et celui de Philadelphie, ça fait 13. Oh, vous ne pouvez pas le compter, il est mort d'une pneumonie. Il ne serait pas mort d'une pneumonie si je ne lui avais pas tiré dessus avant. Il est mort d'une pneumonie. Vous en avez 12, elles en ont 12. Elles sont exactement aussi bonnes que vous. Elles sont aussi bonnes que moi. C'est ce qu'on va voir. Je vais m'occuper personnellement de la question. Il m'en faut un de plus. Vous m'entendez? Rien qu'un de plus. Alors? Me voici. C'est honteux, vous n'avez pas le droit de faire ça. Un bon méthodiste avec un étranger. C'est Heidi. Vous profanez notre cave. Pas gentiment. D'où viens-tu? De chez le docteur J. Christ. Il a signé le papier d'internement de Teddy. Cette heure-ci? Oui, dans des situations pareilles, on se moque pas mal de l'heure. Bon, Jonathan est-il parti? Non, ils sont à la cave en train de... Bon, et Teddy est dans sa chambre? Mais à quoi te servira-t-il? Je vais lui faire signer ses papiers. Après, je pourrai m'occuper de Jonathan. Mais qu'est-ce que les papiers d'internement ont à voir là-dedans? Vous avez éprouvé le besoin de mettre Jonathan dans vos petites confidences. Alors, si j'arrive à rendre Teddy responsable de vous 12 messieurs, je vous sortirai des griffes de Jonathan. C'est la police qui doit nous sauver. Nous payons assez d'impôts pour qu'elle fasse son métier et nous protège. Ouais, la police, oui. Essayez de lui parler de M. Spinalzo. Hein? Elle arrivera très vite à M. Hoskins et de là à tous ses petits compagnons. Mais non. Si nous demandons à la police de ne pas se mêler de nos petites affaires, elle ne le fera pas. Oui, ben moi je parie que si elle tombe sur vos 12 messieurs, elle rédigera un sérieux rapport. Oh, tu te fais des illusions. Les agents ont horreur des écritures. Ils préfèrent fermer les yeux. Et le juge? Et les jurés? Vous croyez qu'ils vous acquitteront? Oh, mais notre ami le juge Gullman nous comprendra certainement. Ça me fait penser qu'il doit venir prendre le thé un de ces jours. Dorothée, il faudra que nous lui parlions. Sa femme est morte il y a quelques mois. Il est très seul, très triste. Il est désespéré. Alors, attendez. Vous ne devez pas recevoir le juge Gullman à goûter, hein. Mais au lieu de t'occuper de ces broutilles, tu feras mieux de mettre Johnny dehors, ainsi que Monsieur Spinalzo. Ce sera fait, laissez-moi faire. Et tout seul. D'abord Teddy. Mortimer, si Johnny et son docteur n'ont pas pris la porte ce matin même, nous irons avertir la police. Ils auront pris la porte, je m'y engage. Puisque Johnny doit partir, il est en train de se donner du mal inutilement. Oui, prévenons-le. Oh! C'est Mortimer que j'ai entendu. Oui, il nous a promis que vous seriez partis tous les trois en ce matin. Ah, il a promis ça. Oui. Parfait. Eh bien, allez vous coucher, mes petites tantes chéries, et dormez en paix. Mortimer est revenu. Oui, il est dans la chambre de Johnny. Adieu, Johnny. Vous devriez plutôt dire adieu à Mortimer. Ouf, c'est du travail fignolé. On se
se douterait de rien. Nous avons bien gagné notre nuit. Hop. Vous venez ? Et Mortimer, docteur ? Oh non, un autre jour. Maintenant. Je suis fatigué, Johnny. Et demain, je vous opère. Vous m'opérez demain. Dès ce soir, nous soignons Mortimer. Regardez-moi. Est-ce que j'ai une tête à hésiter ? Non, vous avez votre regard des grands jours. Alors plus un mot. Ok. Comme d'habitude, le moyen rapide. Je voudrais quelque chose de plus original. Où sont vos instruments ? Non. Où sont vos instruments ? À la cave. C'est bien. Non, Johnny ! Non ! Oh, Johnny ! Pas de bruit, je t'en supplie ! Mais il faut bien les prévenir que c'est l'heure de la revue ! Putain ! Alors je vais me reposer sur mon lit de camp. Qu'on me réveille à la moindre attaque. Vous transmettrez ? Entendu, mon colonel. Ah. C'est moi qui vous le conseil de partir, Dr. Einstein. Les événements vont se précipiter et à toute vitesse. Croyez-moi, Johnny dans un état second. Et quand il est fou, des choses terribles, effroyables se produisent. Je n'ai plus peur de Johnny. Vous n'apprenez donc rien à voir des pièces de théâtre tous les soirs? Pourquoi me dites-vous cela? Parce qu'au moins sur scène, les gens agissent avec un certain bon sens. Or vous, vous en êtes totalement dépourvus. C'est votre opinion. Vous estimez qu'au théâtre, les gens se montrent à peu près intelligents, hein ? Mais écoutez-moi bien. Dans la pièce que j'ai vue ce soir, par exemple, il y a un garçon qui se prétend malin. Il sait que dans la maison où il se trouve sont entrés des assassins. Il est en danger. On l'a prévenu. Il devrait donc sortir au plus vite. Eh bien, vous savez ce qu'il fait ? Il reste. Il reste dans la maison avec les assassins. Vous trouvez ça intelligent, vous ? C'est-à-dire que... Tenez ! Il est même tellement stupide qu'au moment où le meurtrier l'invite à s'asseoir, eh bien, que fait-il ? Il s'assied ! Ce type qu'on veut faire passer pour un petit futé s'assied, docteur, attendant tout bonnement d'être ligoté. Et qu'utilise cet assassin pour le ligoter, je vous le donne en mille ? Le cordon de tirage des rideaux. Ah, c'est une assez bonne idée ! Mais tellement facile. Vous voulez mon avis ? Les auteurs n'ont aucune imagination. Le cordon de tirage des rideaux. Et votre garçon ne voit vraiment pas les assassins? Oui, mais pensez-vous, là, il est assis comme je suis. Il leur tourne le dos. Bon, les cons, c'est stupide. Complètement impossible. Eh bien voilà, docteur. C'est à ces niaiseries que je suis obligé d'assister tous les soirs. Oui, on prétend que ce sont les critiques qui tuent le théâtre. Eh bien moi, je dis que ce sont les auteurs qui le tuent. Donc ce grand génie, ce puissant cerveau est assis là, là, comme je le suis, attendant comme un âne qu'on le bâillonne, qu'on le ligote. Non mais... Serré, docteur. Ah, vous avez raison, mais quel abruti. Voilà. Et maintenant, Mortimer, permets-moi de terminer l'histoire. Ah, Mortimer, depuis des années, je vis loin de toi. Et pas un seul instant, je n'ai cessé de penser à ta délicate petite personne. Ah, Mortimer. Une nuit à Melbourne, j'ai même rêvé que tu me parlais. Et j'ai bien regretté, à mon réveil, que tu ne sois pas là pour que je t'étrangle. Et ce soir, je te tiens. Et te savoir à ma merci me procure une étrange sensation. Au travail, docteur. Non, moyen rapide. Nous opérons devant un éminent critique. Nous devons déployer tous nos talents. Non, mais il faut que je boive quelque chose, là. Non, c'est pas possible. Oh, rien à plus. Il y avait à boire ici tout à l'heure, là. Où l'ont-elle mis? À boire. À voir, vous connaissez, hein? Ah! Venez, on va en avoir besoin.
pas nous faire de mal. Et les usages, docteur. À la santé de feu, mon cher frère. On reviendra après, tout de suite après, les déchirons. Allez, le moyen rapide. Et là, que le colonel cesse immédiatement de souffler dans son clairon. Hey, on va avoir des ennuis demain. On avait promis aux voisins que ça ne se reproduirait plus. Ça ne se reproduira plus, sergent, vous avez ma parole. Je crois qu'il vaut mieux que je lui retire moi-même. Oui. Sachant. Plus d'une heure, Chiquilly. Il lui a appris quelque chose? Ah, il nous expliquait la pièce qu'il a vue ce soir. Ce qui est arrivé au héros, quoi. Oh non! Vous voulez dire qu'il y avait cette situation? Et ils m'ont volé mon deuxième être. Oui, ça a commencé comme ça dans la loge de ma mère où je suis né, sauf que j'étais pas encore né. Oui. Non. Il faut d'abord que vous écoutiez mon histoire. Voilà. Ça commençait donc dans la loge de ma mère. Tout à coup, un inconnu entre. Il a de grandes moustaches noires. Il s'approche de ma mère. Il la regarde. Il lui dit, Mademoiselle Latour, voulez-vous m'épouser? Oui, mais alors, il faut que je vous explique. Il ne sait pas encore que ma mère est enceinte. Et la voilà évanouie dans sa lingerie, en plein sur la table. Le sou la regarde. Il brandit sa hachette. Oh, hé, vous y êtes bien là, hein? Oui, ben moi je suis ligoté sur une chaise, tout comme vous êtes. Et tout autour de nous, des flammes, de la fumée, un feu d'enfer. Et soudain, par la fenêtre, entre le maître, la guardia, Rideau. Voilà. Voilà. Le tableau suivant se passe de 3 jours plus tard. J'ai été transféré, je suis inculpé. Pourquoi? Un individu, un inconnu, m'a dérobé mon insigne. Parfait. Je commence ma ronde. L'individu que j'ai pris en filature est en fait en train de me suivre, moi. Ah non, on ne laisse entrer personne. La police à côté de moi, une maison abandonnée. J'entre, je me retrouve dans une nuit d'encre. Je me retourne et je vois le bouton de la porte bouger. Je saisis mon revolver, je m'adosse au mur et je crie André. Salut les gars. Qu'est-ce que tu fous ici? Ah, tu te rends compte, c'est Monsieur Brewster, on est en train d'écrire une pièce ensemble, et je lui raconte l'histoire. Et t'as dû l'attacher pour qu'il t'écoute? Toute la brigade est à ta recherche. Nous, on est venus à cause du coup de clairon de cette nuit. Ah bah c'est dommage, il va falloir que je m'en aille. Monsieur Brewster, je vais vous résumer le troisième acte. Ah non, hein, deux actes seulement. Non mais t'as vu l'heure qu'il est? Il est 8 heures passées. Non. Les deux premiers actes prennent autant de temps? Ah ben ça j'aurais jamais cru. Et pourtant je suis difficile comme public, hein. Et Monsieur Brewster, vous voyez quelque chose à couper, vous? Tout. Coupez tout.
Qui diable est ce type là? C'est mon frère. Allô? Ici Brophy. On a trouvé O'Hara. Oui, dites au lieutenant qu'il peut rater la grande chasse à l'homme. Il est chez... Bien sûr, il est chez les tantes Brewster. Il faut l'emmener? Non? Bon, on le garde ici alors. Le lieutenant arrive. Oh non! Alors je suis fait? Ah, c'est bien. Mon gentil mouchard de frère pourra partager la prime avec vous. La prime? Seulement moi aussi je vais parler. Vous prenez mes tantes pour de charmantes et inoffensives vieilles dames, n'est-ce pas? Teddy! Teddy! Vous voulez savoir ce qu'elles ont fait, ces garçons-là? Attention à ce que vous dites. Vos tantes sont nos amis et nos protégés. Descendez donc voir à la cave si vous ne me croyez pas. Vous verrez, elles y ont enterré 13 personnes. Mais oui, mais oui. Venez vérifier. Allons, venez vérifier. Vas-y, toi. Moi, je préfère rester ici pour 100 000. Ah non, moi, j'ai pas envie de me retrouver en tête à tête. Avec lui dans une cave. Non mais t'as vu cette gueule? On dirait Frankenstein. Oui. Oh ça pour exemple. Bagarre. C'est le frère du genre de Clairon. Je lui ai simplement dit qu'il ressemblait à Frankenstein. À qui? À Frankenstein. Tournez-le. On s'est dit qu'il était peut-être recherché. Ah! Il est peut-être recherché. C'est comme ça que vous lisez les circulaires. Vous savez pas qui c'est, non? Et le fou criminel qui s'est échappé de prison. Vous pourriez au moins lire les journaux. Le portrait de Frankenstein. Que voici. Ah oui, maintenant je me rappelle. Il était même question d'une belle récompense. C'est moi qui l'aurais. Il voulait nous emmener à la cave. Il disait qu'il y avait 13 personnes enterrées en bas. 13 personnes? En bas? Il a dit ça. Et ça n'a pas suffi pour vous prouver qu'il sortait d'une maison de fous. Ah ben moi j'avais bien remarqué qu'il parlait comme un timbré. Hein. C'est mieux que du Shakespeare. Où étiez-vous toute la nuit, hein? Ici, mon lieutenant, j'écrivais une pièce avec Monsieur Brewster. Ah, on va vous payer des loisirs pour vos activités d'auteur dramatique. Vous serez suspendu. Allez, oust, filez me faire votre rapport. Oui, mon lieutenant. Pardon, mon lieutenant. Est-ce que de temps en temps, je pourrais pas revenir au poste pour utiliser la machine à écrire? Oui. Sortez! Oui! Sortez! Mais emmenez-le ailleurs! Vous n'avez aucune trace de son complice? Bah bon, faut tout faire pour vous alors! On recherche aussi celui qui l'a aidé à s'échapper! Pas étonnant que Brooklyn soit dans cet état avec une police farci d'imbéciles. 13 personnes enterrées ici. Mais il y en a réellement 13. Qui êtes-vous? Le président des États-Unis. Vous ne le reconnaissez pas? Qui c'est celui-là? Le citoyen qui joue du clairon. Mes respects, mon colonel. Tiens, une nouvelle victime de la fièvre jaune. Mais qu'est-ce qu'il dit? Tous ceux qui sont dans la cave ont été frappés par la fièvre jaune. Mais vous vous dépêchez, oui. Un instant, madame. En tant que président, je dois m'occuper de la chose. Mais c'est un secret. Mon capitaine. Lieutenant. Lieutenant Rooney. Je suis Mortimer Brewster. Vous en êtes sûr, oui? Oui. Je voudrais vous parler de mon frère Teddy, celui qui joue du clairon. J'ai ordre de l'emmener. Nous sommes tous d'accord.
le nécessaire est fait pour la maison de santé. Seulement, je dois vous dire que c'est lui le responsable. De... des 12 personnes à la cave. Ah non ! Ah non ! Ah, j'en ai assez ! J'en ai assez de toutes vos plaisanteries ! Oh, il ne suffit pas que les voisins soient terrorisés par lui et qu'il les assourdisse de coups de clairon. Il faut encore qu'on veuille ameuter tout le quartier avec des histoires, mais à dormir debout ! Macabre ! Et par-dessus le marché, il voudrait répandre la panique avec la fièvre jaune. Oh ! Comme mystificateur, vous êtes champion ici, hein ? Vous permettez ? Bonjour, Mortimer. Bonjour, Hélène. Voici Monsieur Witherspoon. C'est lui le directeur de la maison de santé. Il vient voir Teddy. Pardon. Entrez donc. Le lieutenant... Lieutenant Rounet. Content de vous voir, directeur. Vous allez pouvoir emmener votre client tout de suite. Ah non, pas aujourd'hui, hein. Écoutez, Hélène, vous allez rentrer chez vous, hein, je passerai vous prendre demain. Non, dites-nous. Insubordination totale. Traiter ainsi le président des États-Unis, vous aurez une nouvelle. Votre client, directeur. Un instant, laissez-moi faire. Monsieur le président, j'ai d'excellentes nouvelles pour vous. Votre mandat vient d'expirer. Nous sommes le 4 mars ? Oui. Alors je n'ai que le temps de me préparer pour la chasse au lion. Qui est-ce ? Monsieur Witherspoon. Il sera votre guide en Afrique. Enchanté ! Je vais m'équiper et nous partons. Chargé ! Oui, tante Martha et tante Dorothée, d'accord. Le capitaine 2, lieutenant Rounet. Enchanté de vous connaître, lieutenant. Oh, mais vous êtes tout différent de ce que j'imaginais. Vos subordonnés nous parlaient de vous comme d'une vieille baderne. Bon. Tante Dorothée, monsieur Witherspoon. Bon, monsieur Witherspoon, vous voulez voir Teddy ? C'est fait, il n'a plus qu'à l'emmener. Oui. La police estime que Teddy doit partir dès aujourd'hui. Oh non, pas tant que nous vivrons. Mille regrets, mesdemoiselles, c'est un ordre. Nous lui confisquerons son clairon. Jamais nous ne nous laisserons séparer de Teddy. La loi est la loi. Il a signé ses papiers, il faut qu'on l'interne. Je vous préviens, s'il part, nous partirons aussi. Mais pourquoi pas ? Hein ? Pourquoi pas ? Votre idée vient d'un bon naturel. Mais je ne peux pas accepter de personnes normales dans mon établissement. Si vous nous accueillez, nous vous coucherons sur notre testament. Ah, ça serait pas de refus, hein. Mais... Alors, ne perdons pas notre temps, hein. Votre Teddy doit disparaître d'ici. Il n'y a pas que son clairon qui présente un danger pour le quartier. À force de raconter ce qu'il raconte sur votre cave, il finira par nous obliger à venir creuser pour de bon, histoire de rassurer le monde. Je connais ça. Une fois, j'ai dû retourner la terre pendant 2 jours, uniquement pour calmer l'opinion. Quoi ? Mais vous croyez qu'il a inventé cette histoire de Fadama uniquement pour effrayer les voisins ? Et c'est pourquoi vous voudriez le faire interner tout de suite ? Mais descendez, vous verrez qu'il a raison. Monsieur Spinalzo n'est pas d'ici, mais les 12 autres sont nos messieurs. Venez, vous n'aurez aucun mal. Tout est marqué. Marqué ? Oui, oui. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Vous n'auriez pas une petite place pour cette demoiselle ? Voulez-vous qu'on vous montre tout cela ? Oh, je vous crois sur parole, j'ai pas de temps à perdre. Alors, directeur. Et puisque Teddy s'est interné lui-même, ne pourrait-elle pas en faire autant ? Mon Dieu, si. C'est vrai, vous allez nous donner les papiers à signer. Où sont-ils ? Vite, je pourrais aller. Teddy, vite, vite. Mon lieutenant,
Occupez-vous d'elle, directeur. Il faut que tout soit en règle. 13 personnes. Je suis ici et vous ici. Je suis ravie de partir. Ce quartier est devenu impossible. Et moi, je me réjouis d'avoir une jolie chambre toute blanche. Catastrophe. Mais il nous faut la signature d'un médecin. Un médecin? Attendez, le docteur Gilchrist habite juste en face. Mais au fait, docteur Einstein. Excusez-moi, je dois... Voulez-vous que nous reparlions un peu de l'opération de cette nuit? Allez, vous avez quelques papiers à signer. Ici. Et là. Cette fois, vous nous quittez, docteur? Oui, je crois que c'est préférable. Ah, je ne sais pas, mais de toute façon, nous n'allons pas dans la même direction. Tiens, Hélène, content de vous voir. Dites-moi, vous prenez racine ici, vous? Rassurez-vous, je vais partir. Allô, Marc? Ici Rounet. Ça y est, on a pincé Frankenstein. Le complice, allez, rappelez-moi son signalement. Taille 1,65, corpulence moyenne, yeux bleus, cheveux grisonnants, porte des lunettes. Se fait passer pour docteur. Merci, Mac. Ah, ainsi tout est en règle. Monsieur qui est docteur vient de compléter les signatures. Merci, docteur. Ah, vous venez de rendre à Brooklyn un réel service. Monsieur Coulter, veuillez signer à votre tour en tant que proche parent, s'il vous plaît. Parfait, parfait. Tout est accompli dans les formes. Eh bien, mes petites tantes chéries, vous voilà sauvées. Voilà. Quand pensez-vous être prête à partir, mesdames? Monsieur Witherspoon, est-ce que vous ne pourriez pas aller dire à Teddy ce qu'il doit emporter? Oui, qui vous accompagne, monsieur Witherspoon. S'il te plaît, Mortimer, nous voulons lui parler. Vous prenez l'escalier tout droit et ensuite à gauche. Mortimer, maintenant que nous partons, cette maison appartient. Oui, nous désirons que tu vives ici. Ah non, merci, tante Dorothée. Je vous remercie. Non, mais cette maison est vraiment trop pleine de souvenirs. Mais quand on aura épousé Hélène, il te faudra bien un logis. Oh, mais ce mariage n'est pas pour tout de suite. Et pourquoi? Et pourquoi n'aura-t-il pas lieu tout de suite? Eh bien, attendez, moi je n'ai plus la migraine. Mortimer, c'est très ennuyeux. Tu as signé les papiers comme proche parent. Eh bien, maintenant que tu es un homme, voilà, nous pouvons te le dire. Voilà. Tu n'es pas un vrai Brewster. Non. Ta mère était venue chez nous comme domestique. 3 mois après, tu naissais. Elle nous rendait tant de services que nous n'avons pas voulu nous séparer d'elle. Alors, notre frère l'a épousée. Je ne suis pas réellement un Brewster. Mais ne le prends pas mal, mon chéri. Je suis sûre que cela ne changera en rien les sentiments d'Hélène. Hélène, vous avez entendu? Vous avez compris? J'ai une chance inouïe! Je suis un bâtard! Eh bien, moi je vais préparer le petit déjeuner. Non, non, j'amène Mortimer. Père est parti pour Philadelphie, nous allons déjeuner tous les deux, en tête à tête. Ça, j'avoue qu'une bonne tasse de café ne me fera pas de mal. Je n'ai pas fermé l'œil de l'ennemi. Dans ce cas, tu as peut-être envie de te coucher. Bon, ça, tout est trop bien, oui. À l'instant, monsieur Witherspoon, voulez-vous me tenir ceci? Allez, Ous, nous l'embarquons dans ma voiture. Tu pars, Johnny? Oui. Il retourne d'où il vient. On s'occupera de lui jusqu'à la fin de ses jours, soyez tranquille. Je suis contente, Johnny, de savoir que tu auras un bon gîte.
Eh bien, si nous partons. Oui, nous accompagnons Teddy à la maison de santé. Alors c'est fini. Plus de Brewster ici. Dites donc, j'espère que vous lèguerez la maison à l'église. Tiens, si Mortimer ne la garde pas, ce serait une idée. Elle devrait faire partie du cimetière. Dépêchez-vous, je n'ai pas de temps à perdre. Alors adieu, mes chères petites tantes. C'est fini, je n'améliorerai pas mon record. Et vous non plus, ça me console. Égalité, marche nulle, 12 à 12. Johnny a toujours été d'une mesquinerie, et envieux, et jaloux. Il n'a jamais pu supporter de voir quelqu'un faire mieux que lui. Puissions-nous lui montrer que nous sommes les plus fortes. Monsieur Witherspoon, vous vivez en famille dans cette maison de santé? Je n'ai plus de famille. Mais vous avez vos pensionnaires, vous devez les considérer comme vos enfants. Vous êtes loin de la réalité. En tant que directeur, je suis obligé de me tenir tout à fait à l'écart. Toute seule au monde? Tout seul. Et c'est pas gai tous les jours, vous assurez. Mais que voulez-vous? Le devoir, c'est le devoir. Sans doute n'aurons-nous pas le temps de vous offrir le petit déjeuner. Mais vous ne refuserez pas un peu de notre vin de prunelle? Bois aussi rarement. Mais celui-ci est spécial, nous le fabriquons nous-mêmes. Ah, alors dans ce cas... Quand nous serons dans mon établissement, nos relations seront bien entendu moins familières. Ici, c'est différent. On ne boit plus guère de vin de prunelle. C'est passé de mode. Si ma mémoire est exacte, j'ai bu mon dernier verre en... Non, votre dernier verre. Le voici.